Violence du silence, d'après des histoires vraies. Film produit par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Chantal, avec la voix de Michel Perrault, interprète en LSF Shirley Tang Han. Une jeune femme traduit en langue des signes la voix de Chantal dans différentes pièces d'une maison. Je m'appelle Chantal. J'ai 50 ans. Je suis sourde. J'entends très mal. L'intérieur de ma tête bourdonne de mots malfaisants. Sourdingue. Folle. Tu le fais exprès. Tu n'entends que ce que tu veux. Mes enfants se moquent de moi. Mon mari me bat. Pourtant, j'ai toujours voulu travailler. Quand je rentre le soir, mon mari me dit « Te voilà, la sourde !» Et une gifle tombe, puis deux. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je fais le ménage, la cuisine, je m'occupe de tout en plus de mon travail. Si le steak est trop cuit, il me donne un coup de pied. Les enfants rient. Mon fils aîné me donne des coups de poing si je n'ai pas tout rangé comme il le veut. Je ne comprends pas. Je n'en peux plus. L'autre jour, je me suis rebellée. J'ai osé dire tout haut mon désespoir, ma révolte. Alors mon mari m'a saisie par la tête. Il a serré mon cou. J'étouffais. Je ne pouvais plus respirer. Il serrait. Il m'a laissé tomber par terre. Il criait « Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler chaque fois que tu parleras. » Et en effet, il a recommencé plusieurs fois. Je ne peux en parler à personne. J'entends si mal. Personne ne me comprend. Cécile, avec la voix de Françoise Laborde. Une femme perdant la vue dans un fauteuil roulant et poussée brutalement par un homme. Je m'appelle Cécile, j'ai 30 ans. Je me suis mariée il y a 2 ans avec Nicolas. Je perdais déjà la vue progressivement. Et puis, on m'a diagnostiqué une myopathie. Elle a eu une évolution rapide et très vite, je me suis retrouvée en fauteuil. C'était compliqué de gérer cette nouvelle façon de se déplacer et surtout d'accepter ce double handicap. Je comptais sur Nicolas pour m'aider, mais lui, il a changé. Je pense qu'il n'a pas supporté ce nouvel handicap. D'abord distant, il est rapidement devenu odieux, violent, pervers. Sauf quand il y avait des gens autour de nous. Alors, il redevenait gentil, comme avant. Notre quotidien est très vite devenu invivable. Les disputes éclataient pour un rien. Il me harcelait, il hurlait sans cesse. Dans l'appartement, quand j'étais dans mon fauteuil, il me faisait tourner à toute vitesse et me lançait contre les murs. J'essayais de le retenir, mais il était plus fort, et ça le faisait beaucoup rire. Il m'a battue, souvent. Il inventait des jeux quand nous étions à l'extérieur qui m'humiliaient. Par exemple, il a renversé plus d'une fois son coca sur mes cheveux. Il partait en rigolant, me laissant seule dans la rue, trempée, désemparée, en pleurs. Autre exemple, dans une rue en pente, il attrapait mon fauteuil et le lançait dans la descente. Je hurlais de peur. Ou encore, quand je voulais rentrer à la maison, il prenait mes clés et les jetait au loin ou les accrochait en hauteur. Impossible pour moi de les attraper. Aujourd'hui, je voudrais divorcer. Mais je pense que je ne peux pas. Elsa. Avec la voix de Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie-Française. Une femme de petite taille marche dans la ville. Elle croise la foule. Je m'appelle Elsa. J'ai 40 ans. Je mesure 1m20. Je suis achondroplasique, la forme la plus courante du nanisme. Les transports en commun sont pour moi mon pire calvaire. Entre les infrastructures obsolètes, non adaptées à ma petite taille en particulier et au handicap en général, la connerie, l'égoïsme et l'incivilité des gens, la violence est permanente.
Dans le métro, personne ne me voit. J'existe pas, je suis invisible. Je suis bousculée, piétinée, sans compter les coups de coude, les coups de pied, les coups de sac à dos. Et même si je manifeste, si je crie, si je râle, tout le monde s'en fout. J'étouffe, je suffoque. Aux heures de pointe, je suis écrasée, aplatie, la figure coincée contre la porte qui s'ouvre et se ferme à chaque station. Le tout dans la plus totale indifférence. J'ai mal. Un jour, sur le quai du métro, un grand mec baraqué m'a saisi sous les bras, m'a soulevé de terre puis jeté en l'air. Il riait fort. Personne n'a bougé. J'étais terrifiée. Il a jeté une naine en l'air, comme lors des séances de lancer de nains. Je suis restée tétanisée sur le quai. L'agression au quotidien, c'est ça. C'est l'indifférence des gens face aux personnes handicapées ou en position de faiblesse. Tout me rappelle à chaque fois que non, définitivement, je ne suis pas comme les autres. Karima, avec la voix de Stéphanie Duncan. Une jeune femme posée dans un fauteuil roulant regarde la télévision. Il pleut dehors. Je m'appelle Karima, j'ai presque 19 ans. Je suis handicapée. Je marche très difficilement, je vois très mal et j'entends mal. Je n'ai jamais retenu le nom de cette maladie. Je vivais chez mes parents, mais ils ne s'occupaient pas de moi. D'ailleurs, personne ne s'occupait de moi. Je restais toute la journée dans mon fauteuil, posée devant la télé ou dans ma chambre, à ne rien faire. Mon père répétait à qui voulait l'entendre qu'avec moi, le mauvais œil s'était abattu sur la famille, que j'aurais mieux fait de crever à la naissance. J'aimais bien manger, mais on me privait de nourriture pour peser moins lourd quand mes frères me portaient pour sortir. Je suis partie pour 3 mois au bled avec mon père. Tout le monde a été très attentif. Toutes et tous se sont beaucoup occupés de moi. Tous les jours, j'étais lavée, parfumée. Je me sentais comme une petite reine, persuadée d'être belle. La contrepartie, tous les jours, les hommes de la famille, cousins, neveux, oncles, frères, me faisaient l'amour, comme ils disaient. En fait, ils me violaient. C'était dur, j'avais mal. On a appris aux plus jeunes comment faire. J'ai beaucoup pleuré. Je n'avais plus la sensation d'exister. Mais je devais faire semblant. Semblant d'avoir du plaisir. Semblant d'aimer ça. Même si c'était dur. Même si ça faisait mal. Sinon, ils m'injuriaient. Salope. Connasse. Me giflaient. 3 mois. Mon retour en France fut dur. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Olivia, avec la voix de Anne Hidalgo. Une femme se maquille, cache sa cicatrice. Dans un long couloir, elle marche lentement en boitant, s'arrête en regardant la rue. Je m'appelle Olivia. J'ai 47 ans, j'ai fait un AVC il y a plusieurs années. J'ai eu une vie heureuse, je me suis mariée tard, j'ai une fille qui a 25 ans aujourd'hui. Elle est difficile. Son père m'a quittée quand je suis tombée malade. Il a disparu, je n'ai plus de nouvelles. Je marche avec une canne, j'ai du mal à parler, j'ai une trachéotomie. C'est dur, si dur. J'ai dû arrêter de travailler. Ma fille me reproche ma maladie. Elle dit que je suis bonne à rien, que je l'énerve, qu'elle n'est pas ma boniche, que je l'exaspère. Depuis 2 ans, elle me frappe. Elle cache mes cannes quand elle s'en va. Elle m'a pris mon portable. Je suis si seule. Mais que faire? C'est ma fille quand même, je l'ai mise au monde. La semaine dernière, elle m'a tiré les cheveux si fort que je suis tombée. Je suis restée par terre longtemps. Je n'ose même pas en parler. Quand l'auxiliaire de vie est arrivé, je lui ai dit que j'avais glissé. Elle m'a dit « Faites donc attention, un jour vous vous casserez une jambe. » Devant les autres, ma fille est très gentille. Elle s'occupe de moi, elle est prévenante.
Elle me dit qu'elle ne veut plus que je sorte, que c'est dangereux. On la croit. On dit que j'ai de la chance d'avoir une fille comme ça. Et l'autre jour, pour se venger, elle a mis sa main sur mon tube de trachéotomie. Je ne pouvais plus respirer, j'étouffais. Ses yeux m'ont fait peur et elle m'a dit « Quand est-ce que tu vas crever et me laisser vivre ?» Le handicap, ça rend fou les autres. Claire, avec la voix de Roselyne Bachelot. Dans la rue, une canne, une femme aveugle. Chez elle, du bout des doigts, elle cherche. Elle trouve sa canne. Elle sort à nouveau. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans. Je suis aveugle. Je viens de me marier, je n'y croyais pas. Il m'a épousée malgré ma cécité. Il est si beau, je l'aime. Il est gentil, même si parfois il est autoritaire et impatient. Un jour, j'ai renversé mon verre de vin, sans faire exprès, sur la nappe qu'il m'avait offerte. Il est devenu fou furieux et m'a giflé. « Fais attention, salope !» C'est ma faute. Je suis aveugle. Je l'exaspère. Il s'est mis à me gifler chaque soir en rentrant du travail, de plus en plus fort. Cela t'apprendra à ne pas y voir. J'ai répondu que ce n'était pas ma faute. Alors il s'est déchaîné. Maintenant, il me donne une quinzaine de gifles par jour. Il faut que je le trouve dans l'appartement, que je lui embrasse les pieds. Il veut que je sois soumise. Je ne comprends rien, je l'aime. Ces gifles, chaque soir, je m'y prépare. C'est devenu un rituel. Quand nous allons au restaurant, il est tellement tendre, il me dorlote. Je cache mes bleus sous un foulard. Mes collègues m'ont posé des questions. Je leur ai répondu « Vous savez bien que je suis aveugle. Je me cogne. Je ne fais pas assez attention. » Je suis obligée de mentir parce que je reste sous son emprise. Anne, avec la voix de Nicole Croisille. Une jeune femme trisomique entre chez elle, met une jolie robe et des bijoux. Elle regarde par la fenêtre. Je m'appelle Anne. J'ai 20 ans et je suis triso, ou disons idiote, ou encore face de singe, baveuse. Et pourtant, j'ai 20 ans et j'aime rire, manger et me promener comme toutes les filles de mon âge. Je suis française et j'aime Chérif, il m'aime. Enfin, il m'aimait. Je suis partie au pays, comme il dit, avec lui. Et je me suis mariée là-bas. J'étais belle, dans mes vêtements traditionnels. La fête était magnifique, un conte de fées. Tout le monde m'entourait, me félicitait. Puis, je suis revenue en France. Là, tout a basculé. Je me retrouve enfermée, battue par le père de mon mari. Cet homme me tripote, me viole. Je ne peux rien dire, il dit que je mens. Qui me croirait? Ou plutôt, on fait semblant de ne pas me croire. Grâce à notre mariage, mon mari va avoir ses papiers pour rester en France. Il me dit qu'après, il me jettera à la poubelle, qu'il déchirera mes papiers et qu'il me tuera. Il n'aura plus besoin de moi. Voilà. Je suis triso. Belle, mais battue, violée, parfois brûlée avec des cigarettes.
Il faut que je dise que j'aime Shérif, sinon il me frappe. Il m'a cassé le bras cette semaine. Je suis à l'hôpital. Qui peut me sauver ? Solange, avec la voix de Roselyne Bachelot. Dans une chambre, une femme sans main ni jambes se redresse dans son lit. Elle s'assoit avec difficulté dans son fauteuil électrique. Elle le déplace et sort de la pièce. Je m'appelle Solange. J'ai 52 ans. Je suis née sans bras ni jambes. Conséquence de la prise de thalidomide par ma mère durant sa grossesse. Ce médicament utilisé dans les années 50-60 comme sédatif et antinauséeux. Il provoquait de graves malformations congénitales. Je n'ai pas vraiment de souvenir de la première partie de ma vie, de mon enfance ou de mon adolescence. Juste la sensation que c'était difficile et douloureux. J'étais en fauteuil roulant, je le suis toujours. J'avais des prothèses, j'en porte toujours. À 20 ans, j'ai rencontré Jean-Claude. Il avait 25 ans. J'étais éblouie par cet homme. Il ne me brusquait pas. Il se montrait sympathique, attentif, gentil. Nous sommes tombés amoureux. Enfin, c'est ce que je pensais. Nous étions un vrai couple. Mais quand nous faisions l'amour, c'était un peu difficile. Je lui appartenais. Il faisait ce qu'il voulait. Plus que moi, bien entendu. Et puis, un jour, j'ai dit non. Alors l'enfer a commencé. Il me battait, m'insultait. Et puis, il s'excusait, me disant qu'il m'aimait. C'était infernal. Avec le temps, il est devenu de plus en plus brutal au quotidien. Il me frappait pour un oui, pour un non. Je me défendais comme je pouvais et lui me répétait « Tu ne connais pas la vie. On a été trop gentil avec toi. » Et puis l'horreur est montée d'un cran. Il a remisé mon fauteuil roulant à la cave, caché mes prothèses. Il me faisait tomber, me donnait des coups de pied quand j'étais au sol. Il hurlait « Tu es à moi, je fais ce que je veux, tu es mon sexe. » Et il a commencé à me violer plusieurs fois par jour. Je me suis vue morte. Aujourd'hui, je sors enfin de cet enfer. Je me reconstruis. Écoute violence femme handicapée. 01 40 47 06 06. Ce film a été réalisé grâce au soutien financier de la MNH. Réalisation Catherine Cabrol, image Virginie Pichot, montage Pierre Friocourt, voix audio description Pierre Yesler, mixage Teddy De Guis. Maudy Pio, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir FDFA, remercie chaleureusement les personnalités qui ont accepté de prêter leur voix. Mesdames Roselyne Bachelot, femme politique et ancienne ministre, Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie française, Nicole Croisille, chanteuse solidaire, Stéphanie Duncan, journaliste, Anne Hidalgo, maire de Paris, Françoise Laborde, journaliste et écrivaine, Michel Perrault, historienne. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation des violences du silence, et notamment le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, pour son accompagnement.